Oui, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à tous à ce webinaire de présentation de la technologie du transport à Cordes. Comme d'habitude, bien évidemment, je suis Donatien Gérard et ce soir, je vais vous entretenir sur la technologie U-Sky. Alors, aujourd'hui, dans ce webinaire, nous aborderons les sujets suivants. Déjà, j'ai commencé à investir dans ce projet depuis 2018. Dès que j'ai eu vent de ce projet, j'ai compris que le monde avait besoin de ce type de transport. C'est le transport que tout le monde attend. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de participer à l'avènement de ce transport écologique et sûr. Donc, dans ce webinaire, nous aborderons les sujets suivants. Nous commencerons par les dernières nouvelles sur le projet. Ensuite, nous verrons les facteurs négatifs de l'activité de l'homme au quotidien qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous verrons les problèmes et les risques du système de sécurité du transport moderne actuel. Nous verrons les possibilités et perspectives du système de transport U-Sky qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai ainsi, comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique et sûr? Nous parlerons de ce que Skywalk Mobility vous offre et des avantages et perspectives que vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, commençons. Comme dernière nouvelle dans le projet de transport à Cordes, les représentants du salon Mobility Live Middle East étaient au centre d'essai de Sharjah. Le centre d'essai de Sharjah a été visité par Sofnia Yelapa et Olivier Bull, responsables du salon Mobility Live Middle East. C'est un événement clé pour la région dans le domaine des technologies de transport moderne. Le salon aura lieu les 15 au 16 mai 2023. Sandrine Bic, Petit, Yacoub, Al-Tatamouni et Mohamed Bani Ahmed, représentants du parc de recherche et d'innovation technologique de Sharjah, étaient bien évidemment présents pour accompagner les invités lors de cet événement. Lors de la visite, les délégués ont pu voir les illustrations clés du centre. Un unicar tropical certifié, un modèle de transport à grande vitesse une maquette de la ville linéaire et une salle de contrôle. Les invités ont également effectué un voyage d'essai sur une piste de 400 mètres de long. En outre, les délégués ont aussi assisté à la présentation du projet et ont attiré l'attention sur les avantages de l'introduction du transport à Cordes. Par exemple, la mise en valeur des zones difficiles d'accès et développement des réseaux de transport internationaux, la croissance du PIB du pays et de la région, la création d'emplois dans presque tous les secteurs de l'économie nationale, l'amélioration de l'environnement urbain, régional et même mondial.
Olivier Bull a partagé ses impressions du centre de test en disant ceci: je suis honoré de visiter les installations de U-Sky Transport et de voir de première main à quoi pourrait ressembler l'avenir de la mobilité. Alors, une vidéo de l'essai de transport à Côte a été mise à jour dernièrement. Nous avons vu donc cette vidéo lors de l'introduction de ce webinaire. La vidéo que vous avez pu voir, c'est une vidéo qui montrait clairement le transport à Côte, les essais de transport à Côte aux Émirats Arabes Unis. Nous avons vu l'Unicar Tropical et nous avons aussi vu ce Unicompte. Voilà. Alors, de retour, le pack Face of Future a été remis dans les back-office et sera disponible jusqu'au 19 août 2022 à 18h. L'offre est à nouveau valable dans vos back-office Face of Future avec laquelle vous pouvez faire n'importe quel montant d'investissement avec un escompte de 1 sur 90 et obtenir un hologramme avec votre photo au musée de l'Éco-Techno-Parc. Comment obtenir donc cet hologramme? Faites un investissement Face of Future qui est un investissement de 5 000 $ payable sur 10 mois à raison de 500 $ par mois. Ensuite, sur la page Face of Future, téléchargez votre photo selon les exigences et sélectionnez le modèle de transport à corde qui sera affiché sur l'hologramme. L'hologramme fini apparaîtra sur la page Face of Future dans les rubriques Mon hologramme, Galerie et au musée de l'Éco-Techno-Parc. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Prenez tout de suite votre pack de Face of Future afin d'avoir votre hologramme à vie dans le musée de l'Éco-Techno-Parc. L'offre est disponible jusqu'au 19 août 2022. En Biélorussie, la présentation de la plateforme d'adaptation et de formation Smart World Community a eu lieu les 20 et 22 juillet dernier. Les 20 et 22 juillet dernier en Biélorussie, sur le territoire de l'Éco-Technoparc Aquarelle, a eu lieu un non-forum de 3 jours. Oui, Smart World Community 3.0. Pour les partenaires et les membres de l'équipe, l'événement a été consacré à la présentation de la nouvelle plateforme d'adaptation et de formation Skywalk comme Smart World Community. La plateforme informatique Smart World Community est une plateforme de marché pour les partenaires avec des outils éducatifs et socio-pratiques collectés dans le monde entier. Sur la plateforme, chaque partenaire sera en mesure de suivre une formation sous la surveillance des mentors, d'exécuter ses devoirs et d'obtenir de la rétroaction, de perfectionner ses performances grâce aux cours offerts par les meilleurs experts en vente et création et développement d'une marque personnelle, networking, esprit d'équipe et bien d'autres. D'échanger des expériences avec des partenaires d'autres pays également. Maintenant, donc, la plateforme a déjà été lancée dans sa deuxième version en russe. La première version a été lancée en décembre 2021. Dans un avenir proche, tout le contenu sera non seulement traduit dans d'autres langues, mais adapté séparément aux caractéristiques mentales de chaque région du monde. Voilà. Alors, nous parlons du transport à corde. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une solution innovante aux problèmes modernes de transport urbain et aussi interurbain. Il s'agit d'un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis qui donne la possibilité de devenir donc copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Voilà. Alors, en 1914, l'usine de confiserie russe appelée Eniem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi, comme on peut le voir, qu'il a réalisé le monde dans un avenir proche. Il y a là une escalade ajourée avec un wagon suspendu. Dans l'illustration suivante, on voit les voitures et les tramways qui entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues. Mais dans le ciel, nous apercevons toujours le même tramway céleste.
En fait, cette situation que vous voyez ici nous est déjà familière et pas seulement sur les images. Quel que soit le pays du monde dans lequel nous vivons, nous faisons face aux embouteillages. Chez notre monde, c'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps donc de traiter les marchandises. Et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne. Le trafic dense des routes, du transport ainsi que la mort des personnes. En construisant des routes aujourd'hui, l'homme envahit la nature. La nature, elle vit sa vie et essaye de résister à l'homme tant bien que mal. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus supporter. Le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution donc de l'environnement. Le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Pourquoi? Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons indirectement à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir des combustibles fossiles qui, eux, polluent. Qui, eux, polluent donc l'environnement. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Donc, le quatrième défi de notre époque est celui de réduire la consommation d'énergie. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau. Il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les rivières, les forêts, les ravins. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route toujours posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Des tentatives de construire donc une route en l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est là la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais, au grand jamais, été classifiées confidentielles. Mais pour une raison quelconque, personne n'a pu combiner jusqu'à présent ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Donc, si nous remplaçons pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leur simple roue rouleau par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Bien évidemment, il ne faut pas du tout confondre ce nouveau système de transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Non, ces derniers n'ont pas leur moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures de téléphérique au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne, c'est tout. Et beaucoup de personnes me contactent et me demandent quelle est la différence. Le système de transport à cordes existe déjà, mais non. Ne pas confondre avec le téléphérique ou le funiculaire. C'est pas pareil. Le transport que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Avant de continuer, qu'est-ce que U-Sky? Il s'agit d'une infrastructure à cordes constituée de vies linéaires, écomaisons et ports maritimes. La mise en place des systèmes de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet U-Sky. Plus les pistes à cordes apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure des villes et des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction donc du transport U-Sky, il sera de moins en moins nécessaire de couper les forêts, de construire les routes et des voies ferrées et d'utiliser d'autres méthodes similaires détruisant les écosystèmes dans les zones de développement. Sur cette base, donc, l'infrastructure des nouvelles villes et formations changera, ce qui sera donc plus facile à intégrer dans le paysage naturel existant.
À cette fin, Yuska dispose déjà de plusieurs solutions plus ou moins sophistiquées. L'exemple le plus ambitieux est une ville linéaire, un établissement urbain de type cluster qui s'intégrera harmonieusement dans l'environnement naturel grâce à l'utilisation des systèmes de transport à cordes. Une autre solution, déjà largement élaborée, c'est l'éco-maison. Il s'agit d'une technologie pour la construction de bâtiments durables qui repose sur trois principes: le respect de l'environnement, des matériaux et de la végétalisation de la toiture et libre aménagement de l'intérieur. Sur la base de ces principes, la première éco-maison a été construite dans le centre d'innovation Yuskaï à Sharjah, ainsi que plusieurs éco-maisons dans le centre de test Yuskaï en Biélorussie. Si, voilà. Ici, nous avons une image en 3D de l'éco-maison. Regardez comment c'est magnifique. C'est tout un oasis en plein désert. Alors, une autre perspective ou démonstration de ville linéaire. Ici, nous avons affaire à une assertion du docteur Anatoly Nissi, le concepteur général du Sky. Disons ensemble. Nous créons. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Donc, nous avons affaire à un système de transport unique qui vient pour s'imposer sur le marché du transport. Fixons donc le problème qui consiste ici à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et aussi la flore. On peut le voir sur cette image. La prochaine étape consiste à créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et alors, à ce moment, on peut donc poser le rail et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant donc un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, supposons plutôt que l'on pose un câble. OK? Les supports lourds en ce moment n'étant plus nécessaires, on les remplace par des supports qui sont légers. On va ainsi tirer le câble et fixer ses extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires. Nous les plaçons donc maintenant nos câbles, bien évidemment, dans une enveloppe. Nous obtenons ainsi une structure de rail unique. Ici, nous pouvons voir en section à quoi ressemble cette structure de rail unique. Le rail à cordes combine les propriétés d'un fil flexible sur une grande portée entre les supports et d'une poutre rigide sur une petite portée sous la roue du véhicule électrique sur rail et au-dessus des supports. La tête plate du rail et la roue en acier cylindrique assure une dépense énergétique minimale pour le mouvement. Alors, nous avons bien évidemment la tête en acier du rail. Nous avons les cordes qui sont des faisceaux de fil précontraints. Nous avons un agent de remplissage qui est un béton flexible. Et nous avons le corps du rail. Sur cette base, donc, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Une structure de trajet semi-rigide, pouvant supporter des véhicules allant de 50 à 250 km par heure. Une structure de trajet rigide pour des véhicules de 100 à 500 km par heure. Et une structure de trajet flexible pour 30 à 150 km par heure, vitesse autorisée. Alors, ici nous avons une conception du châssis qui montre clairement les différents éléments constituant à l'intérieur
du véhicule. Nous avons bien évidemment une batterie d'accumulation pour stocker l'énergie durant le transport, des radiateurs de refroidissement, du système de refroidissement. Nous avons un inverseur de moteur, une roue moteur. Bien évidemment, nous verrons une image de ces roues moteurs tout à l'heure. Un dispositif d'attelage de secours, un convertisseur de tension, un système anti-déraillement spécial et un ressort de suspension. Voici donc une autre vue du système anti-déraillement spécial. Alors, ici, nous pouvons voir les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible également. Cette photo, comme vous voyez ici, c'est un photomontage qui montre les aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure du trajet à cordes. En passant dans ce cas, nous avons ici le pont, une image du pont sur la Divina Occidentale qu'on appelle la Riva. Et vous pouvez donc vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être traversée par une seule travée. Une travée, c'est une distance entre deux supports d'ancrage. Ceci, ce n'est plus un photomontage, non, pas du tout, mais une vraie photo prise en octobre dernier au Centre de recherche et d'innovation technologique UST à Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de rail à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier sur le rail en acier, autant pour moi. Il est possible de réduire la charge sur la structure du trajet et augmenter la capacité passante, donc de la manière suivante. On peut le faire en subdivisant la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera donc pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci, c'est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est celle de réduire la résistance aérodynamique. Allez, lorsqu'un véhicule augmente, la vitesse d'un véhicule augmente, sa consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affecte grandement la consommation d'énergie de celle-ci. Sur le transport de second niveau, les flux d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici l'appareil qui vient d'être présenté sur le schéma précédent en grandeur nature. Cette image que vous voyez ici montre les caractéristiques des deux véhicules, ainsi que le recalcul de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide conditionnel. Il est donc clair que, sur cette base, l'unibus à grande vitesse que nous voyons ici à droite peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. Maintenant, rappelons les méthodes, les problèmes autant pour moi liés au transport moderne. Nous avons parlé de la surcharge des voies de transport, donc les embouteillages, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Dans ces différents diagrammes, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport à cordes que YouSkyHope est peint en vert. Nous nous rendons compte donc ensemble que le transport à cordes a la solution la plus optimale en termes de coût du capital, coût des opérations, niveau de consommation d'énergie, la capacité, niveau de taux d'accident de transport et la pollution de l'environnement. Le graphique ci-contre montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres systèmes de transport. Et voici une comparaison des types de déplacements terrestres
les plus modernes à la fois opérationnelles et même projectées. Nous pouvons dire que le transport de deuxième niveau est un transport léger, rapide, économique et aussi écologique. Alors, tout le monde peut investir dans le projet à partir d'un montant minimal de 50 dollars. L'entreprise aussi pourrait permettre à tout le monde de pouvoir rejoindre le projet a mis sur pied un plan de versement pratique divisé en 5 mois. Donc, diviser le paiement du paquet d'investissement par 5 mois et payer chaque mois des tempéraments. Il y a aujourd'hui plus de 400 000 investisseurs dans le projet, avec y compris des hommes d'affaires, des enseignants, des ingénieurs, des personnes de différentes professions. Aujourd'hui, si vous participez à ce projet, qu'est-ce que vous gagnerez? Alors, premièrement, des dividendes de tous les projets commerciaux que l'entreprise réalisera. Aujourd'hui, officiellement annoncé, il y a déjà 4 contrats qui ont déjà été signés. Donc, d'ici l'année prochaine, nous pourrons, OK, si tout se passe bien, recevoir le premier dividende dans le projet. Le rachat d'actions. La société peut annoncer le rachat d'actions. En octobre 2018, elle a déjà fait pour les 5 000 premiers investisseurs qui ont pu vendre leurs actions avec un profit jusqu'à 10 fois. Les actions que nous avons sont notre propriété. Vous pourrez les léguer à vos enfants et petits-enfants en héritage. Les ventes d'actions également. La valeur actuelle des actions est bien inférieure à leur valeur nominale qui est de 1 dollar. La société peut décider plus tard d'entrer sur le marché boursier et là, vous pourrez avoir la possibilité de revendre vos actions au montant, au prix du marché. L'auteur du projet, c'est ce monsieur, Anatoly Edouardovitch Yunitsky, docteur Anatoly Edouardovitch Yunitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voit le monde. Et aussi, ce monsieur est chercheur et inventeur, auteur de plus de 200 articles scientifiques, vermonographie et plus de 150 inventions dans les domaines de construction, des transports, d'ingénierie, d'électronique et de l'industrie chimique. Il est aussi créateur des systèmes de transport spatial et géospatial, ainsi que d'un certain nombre de projets de transport et de technologies à cordes. Si ce monsieur était un acteur hollywoodien, il serait connu de tout le monde entier. Les détails sur sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur son site unitsky.ingénieur. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. D'accord? Ici, nous avons une image de notre CEO avec le chef spirituel tibétain, le Dalai Lama, qu'il a rencontré dans la ville de Dharamsala. À droite, nous avons son Altesse, le docteur Sheikh Sultan bin Mohamed Al-Kassimir, souverain de Sharjah, qui a assisté au lancement du projet U-Sky pour un système de transport suspendu et U-Car à Sharjah. C'était lors de la première pause. Nous avons aujourd'hui plus de 12 modèles de véhicules pour le transport des passagers. Nous pouvons les voir ici en grandeur nature. Et aussi 4 modèles pour le transport de marchandises. Le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes et de l'eau sans interférer avec les autres systèmes de transport. Ni les montagnes ni les forêts ne sont des obstacles pour ce transport. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et aussi les infrastructures urbaines. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à plus de 18 expositions internationales où il a toujours et toujours attiré l'attention de beaucoup, beaucoup de personnes. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport à cordes à passer les tests peuvent être trouvés sur le site unitsky.ingénieur. Ici, nous avons une image plus claire du document que tient notre CEO ici, OK, qui est un document qui permet, ce certificat correspondant a été délivré par TUVSW. L'organisation propose des solutions d'essai d'inspection, d'audit et de certification de formation dans 14 pays. Pour sa fiabilité et son indépendance,
en matière d'évaluation, TUVSW, est accrédité donc par divers organismes internationaux, dont le Centre international d'accréditation des Émirats arabes unis. La certification passée confirme la conformité aux exigences mondiales en matière de fiabilité, de sécurité et de durabilité du transport à corde. Voilà. La technologie de transport à corde a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine. Plusieurs certificats et récompenses aussi. Sur cette diapositive, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site web. Alors, des reportages dans les médias du monde entier. Tout un éventail de reportages sur la technologie et la société EST a été diffusé à la télévision dans différents pays. Depuis lors, des investisseurs, des grands investisseurs sont en train de se manifester. L'entreprise a été émergée par des coups de fil et email partout dans le monde. Sans aucun doute, il est impossible pour un seul homme de mener à bien un tel travail titanesque. Voilà donc pourquoi il a mis sur pied la société Ulysse Christine Technologies, qui a été créée en République de Biélorussie. Et depuis 2019, elle emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été fabriquées et conçues pour le transport des passagers Uber et interurbains. Voilà. Ici, l'argent des investisseurs a permis de construire un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk, en République de Russie. Chaque année, à l'heure de l'Ecofest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur le site pour voir de leurs propres yeux les réalisations et s'assurer de la réalité de tout ce qui se passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats Arabes Unis dans l'Émirat de Sharjah. Ces photos que vous voyez ici sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Le transport aux Émirats Arabes Unis sera donc une preuve supplémentaire que ce transport peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre et dans un avenir pas si lointain, ce transport s'intégrera naturellement dans le paysage terrestre et ne nous surprendra plus, comme le fait le métro ou le tram. Nous pouvons donc dire que, en termes de conclusion, le transport à corde est un transport innovant, au-dessus du sol bien évidemment, qui se déplace à haute vitesse, il est sûr, efficace, facilement intégrable et surtout, écologique. Alors, je vous dis merci pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres dernières nouvelles sur le projet. Je vous laisse bien évidemment avec cette vidéo de présentation de l'Enebus à grande vitesse. Bonne dégustation. Ciao.